Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui sera un nouveau point lecture. Donc aujourd'hui je viens vous présenter plusieurs de mes dernières lectures et je vais tout de suite commencer avec le premier roman qui est Arbre de l'oubli de Nancy Houston. Dans une chambre toute lumière éteinte au cœur du quartier de Morris Height se trouve un lit. Sur ce lit, un oreiller, et sur l'oreiller, la jolie tête aux boucles brunes d'un garçon de 5 ans. Il était endormi, Joël. Il dormait paisiblement, et un gémissement vient de l'arracher à son sommeil. Il s'assoit dans le lit, ahuri, ne sachant plus où il est. Et déjà, il se fige, car le gémissement retentit à nouveau. Et encore, c'est juste horrible. Celle qui gémit, c'est sa mère, Jenka. Le son horrible sort de sa gorge en flots amers, interminables, tel un vomissement. Derrière, Joël entend aussi la voix de son père. Arbre de l'oubli de Nancy Houston est un roman qui s'articule autour de différents personnages qui sont issus de la même famille. Un des premiers personnages qu'on va rencontrer, c'est le personnage de Joël, qui est un jeune garçon de confession juive qui vit avec son frère et ses parents. On est dans les années 40, on va suivre l'enfance de ce jeune garçon qui est un petit peu maltraité par son frère. On va suivre ce personnage de Joël alors qu'il est enfant, mais on va le voir grandir petit à petit, on va le voir évoluer, on va voir les rencontres qu'il va faire au fur et à mesure de sa vie. C'est vraiment un personnage très touchant. On va suivre aussi parallèlement le personnage de Lily Rose dans les années 50. On va suivre également son enfance qui va être bouleversée par un événement en particulier, et on va la voir également grandir. Et on suit également le personnage de Shayna. Et quand on rencontre le personnage de Shayna, ça devient assez évident de se rendre compte que c'est le personnage central de ce récit. Donc c'est vraiment autour d'elle que s'articule ce récit, puisque Shayna, durant tout le roman, va être à la recherche de son histoire, et c'est ce que le roman va nous faire découvrir. Qui est-elle? D'où vient-elle? Qui sont ses parents? Qui sont ses grands-parents? Et donc, on a une construction un petit peu similaire à celle qu'on a retrouvée dans Ligne de faille de Nancy Houston également. Nancy Houston est une autrice canadienne très prolifique qui a déjà proposé une soixantaine de romans de styles et de supports différents. Donc c'est vraiment quelqu'un qui a déjà proposé plein de récits. Moi je l'ai découverte en Ligne de faille, que j'avais vraiment adoré, mais j'ai lu ça quoi en 2014, enfin, il y a vraiment longtemps, et ça a été un coup de cœur, et depuis je ne m'étais plus replongée dans un de ses récits, et ça, c'est vrai que j'avais très envie de redécouvrir sa plume, et j'ai encore du boulot hein, si je dois découvrir toute sa bibliographie. Nancy Houston propose souvent dans ses romans des thèmes très sensibles et des thèmes qui lui sont très chers, qui se rapprochent beaucoup de sa propre vie, donc elle va mettre beaucoup d'elle. Il y a quelque chose de très intime dans ses romans. Dans ce récit-ci, avec Arbre de l'oubli, on va notamment parler de l'identité. C'est vraiment, je pense que vous l'aurez compris avec le personnage de Shayna, le thème principal de ce récit, puisque Shayna, c'est une jeune fille qui, on va évidemment découvrir dans le récit, mais qui est sans cesse à la recherche de ses origines. Elle essaie de comprendre qui elle est, pourquoi est-ce qu'elle a la peau noire et que ses parents ont la peau blanche. Bien sûr, ses parents vont lui expliquer, mais elle a envie d'en savoir un petit peu plus que ça. Elle a envie de savoir qui est sa mère, de quelle famille elle vient. C'est un personnage qui accumule au fur et à mesure de sa jeunesse une certaine colère, de par déjà le racisme qu'elle va se recevoir au quotidien. Quand elle se promène dans les rues avec son père, je pense qu'à un moment elle voyage à Cuba avec son père, et les gens, comme son père est plus âgé et est blanc, et elle est jeune et elle est noire, les gens vont se demander si elle n'est pas la prostituée de son père. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, il y a des passages assez violents. Il y a des passages vraiment très durs dans ce récit de racisme pur qui vont alimenter la colère de Shayna, qui va essayer d'en apprendre évidemment plus sur son identité. La question de l'identité touche visiblement très fort Nancy Houston également, puisqu'elle parle de ses propres identités fracassées et sans cesse remises en doute. Et on sent qu'il y a beaucoup d'aide dans le personnage de Shayna. Alors je dis pas que j'en sais rien, enfin je ne connais pas personnellement Nancy Houston, mais je pense qu'elle a mis beaucoup d'elle et beaucoup de son histoire dans ses personnages. Sans trop développer, la question de la dépression va être un petit peu abordée dans le récit, avec un personnage notamment que je vous laisse évidemment découvrir, j'ai pas envie de tout vous spoiler. Visiblement elle aurait également souffert beaucoup de dépression. Il y a d'autres thèmes qui sont abordés évidemment dans ce récit, mais il y en a plusieurs qui sont un petit peu des révélations, notamment un thème très très sensible qu'on découvre au fur et à mesure de la lecture. On sent que c'est un roman très engagé, très féministe, qui va faire parler plusieurs voix, plusieurs points de vue sur les sujets notamment du racisme, sur le sujet de la construction de la femme à différentes époques, puisque on va suivre Lily Rose qui
qui est née, qui a vécu enfant dans les années 50. On va voir la construction de ce personnage. Mais on suit aussi le personnage de Shayna qui est à notre époque. Moi, j'ai trouvé, pour mon avis personnage, j'ai trouvé ce roman très sensible, effectivement très engagé, avec beaucoup d'informations. On sent que ce sont des sujets qui touchent vraiment l'autrice. Ce qui est très dur, je trouve, dans ce roman, c'est qu'on suit l'enfance notamment de Lily Rose. On apprend très vite que Lily Rose, c'est la mère de Shayna. Enfin, c'est elle qui a éduqué Shayna. Et en fait, on apprend à connaître Lily Rose, on la voit grandir, on voit ses blessures, on voit ses combats et on voit évidemment ses souffrances. Et puis quand on voit à quel point Shayna est en colère contre sa mère, c'est quelque chose de très très dur à lire parce que Lily Rose, on a appris à l'aimer, on a appris à l'adopter, j'ai appris vraiment à apprécier ce personnage et c'était très dur de voir à quel point Shayna pouvait être impitoyable avec sa mère. Bien sûr, sa mère tient parfois des discours qui sont un petit peu, pas mal de discours qui sont très sensés, mais parfois des choses qui peuvent évidemment mettre vraiment en colère. Mais j'ai trouvé ça intéressant, la confrontation entre ces personnages, et en même temps très dur de voir cette colère de Shayna. Comme je vous l'ai dit, c'est un roman que j'ai beaucoup apprécié, même s'il y a quelques petites choses. J'ai pas été hyper impliquée en fait dans cette histoire, même si je trouve objectivement et subjectivement d'ailleurs que l'histoire est très bien écrite, que c'est une très belle histoire, très sensible. Moi, je n'ai pas été complètement impliquée dans ce récit. Je vous en ai parlé dans un vlog. Je suis pas certaine que ce soit à cause du récit en lui-même, mais j'étais tout le temps avec un certain retrait par rapport à ma lecture. Je me sentais pas à 100% impliquée dans cette lecture et je n'ai jamais pu dire pourquoi. Donc je pense pas que ça vient du récit, maintenant peut-être que si, je ne sais pas. Mais en tout cas, j'ai jamais été à 100% impliquée au point de verser des larmes pour les personnages. C'est un récit dans lequel on a également beaucoup d'informations et je trouve que, parce que évidemment comme on a des personnages engagés en général te sortent plein d'arguments pour défendre leurs opinions et tous ces arguments viennent évidemment de l'histoire et donc on a plein d'informations que moi je connaissais pas. Il y en a évidemment que je connaissais quand on mentionne Virginia Woolf ou Sylvia Plath, etc. Mais il y a d'autres informations que je ne connaissais pas et que j'ai découvertes dans ce livre. Et je trouve qu'il y avait beaucoup d'informations à digérer. Et donc, moi, j'ai pas su les digérer parce que je trouvais qu'il y en avait un petit peu trop. Et je trouvais que ça faisait beaucoup à la fois, beaucoup d'informations. Et ça m'a un peu déstabilisée par moments. Voilà pour Arbre de l'oubli. Vous voyez que mon avis est un petit peu déconstruit et un petit peu mitigé parce que même si je trouve le livre très réussi, c'est un très bon roman, j'étais un petit peu perdue parfois et il m'a manqué une implication en fait pour ces personnages alors que je sais pertinemment que c'est un très bon roman. Ensuite, je viens vous parler d'une bande dessinée qui est Les 5 conteurs de Bagdad, qui est issue d'une collaboration entre Fabien Wellman et Franz Duchesneau, sachant que Franz Duchesneau, c'est lui qui avait fait Mozart à Paris, que j'avais moyennement aimé, et Fabien Wellman, c'est lui qui est notamment le scénariste de Seul, qui est une saga de BD plutôt connue. Dans ce récit, on est à Bagdad il y a très longtemps. Le calife de Bagdad va organiser un concours de conteurs afin de désigner le meilleur de tous les conteurs. Donc 1001 personnes peuvent participer au concours. Ils ont 3 ans pour se préparer à présenter la meilleure histoire et le meilleur sera récompensé et le pire sera exécuté. Super ambiance. Le fils du calife, qui est également un petit conteur, va réunir différents participants pour effectuer une sorte de voyage initiatique. Donc il va réunir des conteurs qu'ils trouvent très bons pour leur permettre d'améliorer leur art de conteur et créer ensemble une histoire incroyable. Ces personnages vont partir à l'aventure dans le récit et l'un d'entre eux décide avant de partir d'aller voir une voyante, donc une devineresse, qui va leur annoncer tout ce qui va leur arriver. Et on va découvrir si ces prémonitions sont vraies ou pas. Le premier personnage qu'on rencontre dans le livre est un personnage mystérieux, d'ailleurs c'est en noir et blanc. Quand on rencontre ce personnage, on est directement en noir et blanc. On sait que ce personnage mystérieux qui raconte l'histoire est un des un conteur qui va faire le voyage. C'est un récit que j'ai fort apprécié, j'ai été assez surprise par cette découverte. Déjà j'ai trouvé qu'il y avait énormément d'humour dans le récit, alors je sais que c'est pas forcément la première chose à laquelle on pense en pensant à ce livre, mais moi c'est la chose que je retiens le plus, il y avait beaucoup d'humour, des petites piques que les personnages se lancent les uns aux autres. J'ai également aimé aussi la manière dont toutes les histoires étaient traitées, donc on a
plein d'histoires dans la grande histoire. Et j'ai bien aimé les manipulations des histoires qui ont été effectuées dans le récit. À un moment, par exemple, il y a un personnage qui va s'amuser avec l'histoire de Jésus et tout mélanger, et ça va donner quelque chose d'assez loufoque et d'assez drôle. Donc au sein du récit, on a évidemment l'avancée de ce personnage dans leur voyage, leur découverte. On va découvrir effectivement si la devineresse avait raison ou pas dans ses prémonitions. Et donc c'est une sorte de voyage initiatique qui va nous faire rencontrer des obstacles, différentes étapes, qui vont faire aussi évoluer les relations entre les personnages. Et on se rend compte à plusieurs moments que selon qui raconte l'histoire, ça peut avoir une signification tout à fait différente, notamment de par la traduction. Quelqu'un qui ne sait pas traduire une histoire, bah, va complètement la transformer. Donc ça pose pas mal de questions autour de la manipulation de certaines histoires et de qui la comprend et de qui la raconte. J'ai aimé faire ce voyage qui m'a complètement dépaysée. J'ai bien apprécié les dessins. A priori, c'est pas le type de dessin que moi j'aime particulièrement, mais je trouve que dans le récit c'était très adapté, les traits des personnages. J'ai apprécié la fin, même si je pense que j'attendais peut-être une révélation ou quelque chose encore plus grand. Je trouve qu'on nous fait pas mal de promesses dans ce récit et je m'attendais à quelque chose de fou à la fin, et ça n'a pas été le cas. Ceci dit, n'hésitez pas, à la fin, en fait, il y a une... C'est pas une page cachée, mais je préfère quand même vous le dire parce qu'il y en a qui vont peut-être fermer le récit tout de suite, mais on a une page noire qu'il faut tourner puisqu'on a encore d'autres informations. J'ai passé un bon moment, j'ai été dépaysée, j'ai suivi des personnages auxquels je me suis attachée. Alors pas tous, mais quelques-uns auxquels je me suis attachée. Je n'ai pas toujours compris l'utilité du personnage du petit garçon, le fils du calife, qui va par moments être drôle, faire des trucs. Oui, il va, effectivement, c'est lui qui va réunir les personnages, mais au final, j'ai pas trop compris l'utilité de ce personnage. Mais sinon, c'est vrai que c'était une chouette BD qui me change un petit peu de ce que je peux lire habituellement. Meurtre. Crime. Cadavre. Autopsie. Poison. Couteau. Corde. Déchirure. Cri. Torture. Peur. Mort. Ensuite, je viens vous parler de différents récits qui seront des thrillers et plus exactement des romans policiers. J'ai lu dernièrement différents romans policiers parce que j'avais envie de me retrouver dans des enquêtes, j'avais envie de ramer avec des personnages qui n'arrivent pas à trouver des indices, qui n'arrivent pas à trouver le tueur. J'avais envie, ça faisait longtemps, et j'ai pris mon pied dernièrement en lisant... j'ai fait une crise monomaniaque, hein. Je n'ai lu que des policiers. Là, je suis de nouveau, je vais recommencer encore Funerarium de Brigitte Aubert. J'ai passé de très chouettes moments, d'autres un peu moins chouettes, de lecture avec des policiers. Et en fait, je trouve ça intéressant de venir vous en parler en point lecture, même si pour un ou deux récits, j'en ai déjà parlé en vlog, parce que je me rends compte que mon avis dans un point lecture est peut-être un petit peu plus de recul. En vlog, je vous parle instantanément de ce que je suis en train de lire. Donc si je viens de lire un truc, je vous en parle tout de suite, ou alors je suis en train de le lire. Mais ici, dans le point lecture, on a un avis quand même un peu plus... peut-être pas plus réfléchi, mais en tout cas avec un certain recul. Il y a certains livres que j'ai lus il y a une, deux, voire trois semaines, et donc je trouve ça intéressant de voir ce qui reste de mes lectures après une, deux, trois semaines, et vous allez voir, pour un des titres, je vais galérer, vraiment. Je me suis fait cette réflexion, mais en fait il y a des livres, je passe un chouette moment, oui, c'est plutôt bien écrit, il y a une chouette enquête, des révélations, etc. Je passe un chouette moment de lecture, et après coup, ben en fait il m'en reste plus rien. Et je me suis fait la réflexion que y a certains livres comme ça que je pouvais facilement oublier. Et bien sûr, ça vient du fait que j'ai une très mauvaise mémoire. Je retiens pas, moi, les policiers, les thrillers, je retiens pas, j'oublie facilement, j'arrive pas à retenir ça. Mais aussi, je me suis fait la réflexion, en fait, il y a des livres qui sont pas forcément faits pour être inoubliables. Il y a des livres qui sont juste faits pour passer un bon moment de lecture et qui ne sont pas faits pour apporter un message ou apporter quelque chose de révolutionnaire. Il y a juste des livres qui sont faits pour
de faire passer un super bon moment de lecture. Des 4 thrillers que j'ai lus dernièrement, le premier, je ne vais pas vous en parler ici en point lecture, pourquoi j'en parle? La fille fait de l'auto-promo. En fait, j'en parle dans le dernier vlog, donc c'est un livre que je viens de terminer, et je me dis que, bah, justement, pour éviter de me répéter tout le temps, je vais vous renvoyer vers le prochain vlog qui sort jeudi prochain. On est dimanche, a priori, au moment où vous voyez cette vidéo, donc qui sort jeudi prochain. Je vous envoie vers ce vlog-là, comme ça je pourrais vous en parler dans un point lecture où j'aurai un petit peu plus de recul, parce que là, je viens de le terminer. Et bah, si j'en parle ici en point lecture, ce sera exactement les mêmes mots que dans le prochain vlog, vous voyez ce que je veux dire. C'est pour éviter de me répéter tout le temps. Mais donc, La part du démon, de Matthew Waters, c'est un livre, je peux déjà vous dire, eh bien, je... J'ai déjà tout oublié, en fait, mais je vous en parle évidemment dans le vlog. Je vais vous parler maintenant des poupées d'Alexis Lebsker. Alors, c'est un récit que j'ai lu pendant mes vacances. C'est un récit qui est donc une enquête, hein, une enquête criminelle. On va découvrir 6 corps dans une petite église, des corps complètement nus, mais qui ont été également complètement rasés, donc qui n'ont pas un seul poil, des corps imberbes. Ces corps sont recouverts d'une matière un petit peu visqueuse, super. Et évidemment, il va y avoir une enquête autour de ces trouvailles. On va suivre parallèlement une femme qui travaille en tant que voyante, et donc on va suivre son parcours de voyante, la manière dont elle a accueille ses clients, les révélations qu'elle va leur donner. On va suivre également encore, comme souvent dans des policiers ou dans des thrillers, des petits chapitres avec un personnage qu'on ne connaît pas, mais on sait qu'il est complètement charbé parce qu'il dit des trucs un peu effrayants. Alors, c'est un récit. J'ai dû un petit peu réfléchir pour me rappeler hein, de cette lecture parce que ça fait partie de ces lectures pour lesquelles je passe un très bon moment. Franchement, le plaisir est là, je tourne les pages assez vite, enfin c'est sur liseuse, hein, donc je clique les pages assez vite. L'enquête est chouette, je pense que les enquêteurs étaient sympas, mais je dois vous dire que c'est pas eux que je retiens, hein. Je suis en train de me rappeler, mais qui sont donc ces enquêteurs, je ne sais plus, c'est pas eux que je retiens. Franchement, c'est un livre qui se dévore, avec lequel je passe un chouette moment. Maintenant, j'avais regretté, dans Les Poupées, que la révélation soit aussi déjà vue, en fait. Il y a toujours la question quand on lit beaucoup de policiers, alors ça faisait longtemps que je n'en avais plus lu, mais c'est vrai que j'ai quand même un plutôt bon bagage en policier, pas autant que certains, mais j'en ai lu quand même pas mal. C'est vrai qu'au bout d'un moment, bah, ça devient compliqué de trouver des révélations. Je trouve que c'est même plus facile dans le thriller de faire des choses plus originales, mais dans le policier, ça devient compliqué, en fait, de trouver des révélations totalement surprenantes, parce qu'on a déjà tout fait. Et effectivement, ce que j'ai trouvé dans ce récit, bah, je l'ai déjà vu et en fait, je l'ai deviné quand même assez vite. C'était une théorie que je me faisais, je vous en ai parlé en vlog, je me disais « Ah oui, j'ai une idée, mais elle est complètement farfelue !» Et en fait, je me suis rendu compte que j'étais aussi farfelue que l'auteur et que cette idée, c'était la bonne. Et du coup, il y a quelque chose de très décevant. Je me demandais aussi, hein, petite réflexion, petit partage avec vous, est-ce que vous, quand vous découvrez le, la, les coupables, est-ce que vous êtes frustré ou justement vous êtes super content? Parce que moi, je fais partie des gens qui sont frustrés, quoi. Quand je devine le ou la tueuse, j'ai l'impression que c'est trop facile. Alors quand je le devine quelques pages avant la fin, bon, ça c'est pas grave. Mais quand ça arrive à la moitié du livre, que j'ai déjà des soupçons, et même un peu avant... ça rend... j'ai une déception, quoi, parce que j'ai l'impression que c'est trop facile, du coup. Voilà, je pense que je vais me lancer dans des études pour être enquêtrice. Je pense que non, je vais galérer. Hein. Désolée pour les bruits ambiants, vous entendez certainement un aspirateur. Imaginez que nous sommes sur une scène de crime et que mes voisins sont justement en train d'aspirer tous les indices. Et voilà, ils ont peur évidemment de se faire prendre par la police. Et donc voilà, ça met un petit peu d'ambiance. C'est ce que j'essaie de faire parce que ça fait 3 semaines qu'ils sont en travaux, j'en peux plus. Voilà pour Les Poupées. Voilà, je crois que j'ai parlé en 5 minutes des poupées parce que je peux pas vous en dire beaucoup plus. C'est sorti quoi, c'est rentré par là, c'est sorti et je dois vous parler du prochain livre qui est La Nuit des Anges d'Anna Tomasi. Je dois toujours vérifier les titres des livres que je lis puisque comme je lis beaucoup en liseuse dernièrement, comme j'étais partie en vacances, c'était plus facile. Je n'ai pas le titre sous les yeux donc j'oublie tout le temps. La Nuit des Anges d'Anna Tomasi. Ça, c'est une lecture. Je pense que c'est peut-être le meilleur policier thriller que j'ai lu dernièrement. Et pourtant, il n'était pas parfait.
Dans La Nuit des Anges d'Anatomasie, on va suivre une jeune femme, Alice, qui est une maman d'un garçon de 9 ou 11 ans, je ne sais plus exactement. C'est un garçon qui est atteint de troubles du spectre autistique. Cette jeune maman et ce jeune garçon vivent ensemble, le père vient de partir, et elle vient d'apprendre qu'un de ses anciens camarades d'école a eu un accident et est décédé, donc elle doit se rendre à l'enterrement. L'enterrement se déroule dans son village d'enfance, en Bretagne, et donc elle va venir habiter chez ses parents pendant un certain temps avec son fils. Et donc elle va retrouver son père, qui est un médecin, qui travaille d'ailleurs dans tout ce qui est médecine légale, et sa maman, on sait pas trop d'informations sur cette dame, on sait juste qu'elle est... qu'elle est souvent alitée, qu'elle est souvent en train de dormir, qu'elle se repose, mais on sait pas trop pourquoi, voilà. Et donc elle va se retrouver dans le cocon familial qu'elle n'a plus retrouvé depuis très longtemps. Elle va donc retrouver les vieilles habitudes de ses parents, et elle va retrouver aussi des anciens camarades, puisque elle a vécu son enfance dans ce petit village, et quand elle avait 10 ans, elle avait une meilleure amie avec qui elle passait tout son temps, et cette meilleure amie, justement, quand elle avait 10 ans, a disparu. On n'a jamais retrouvé cette petite fille, et il y a toujours ce doute. Donc elle retrouve ses anciens camarades, et elle retrouve aussi le frère de sa meilleure amie, donc de la disparue, et ils vont un petit peu recommencer à se fréquenter, puisqu'ils avaient une aventure quand ils étaient plus jeunes. On sait également qu'au moment où notre héroïne revient dans ce petit village, il y a une disparition d'enfant, une nouvelle disparition d'enfant, donc on imagine qu'il y a certains liens qui peuvent se faire. Alors, c'est un récit que j'ai fort apprécié dès le début. Je pense que dès les 2-3 premières pages, j'ai dit à mon compagnon « Ah, ça c'est chouette !» J'ai trouvé qu'il y avait énormément de sensibilité, énormément de justesse dans l'écriture de l'autrice, surtout dans sa manière dont elle abordait la relation mère-fils, puisqu'on a, comme je vous ai dit, la présence d'un petit garçon atteint d'un trouble autistique, et on voit comment il le vit au quotidien, mais surtout comment Alice, la maman, le vit au quotidien, à quel point c'est dur pour elle, à quel point elle doit s'adapter pour beaucoup de choses. Je trouve que c'était bien présenté, c'était vraiment en plus une chouette écriture, une chouette narration, tu as envie de tourner les pages, tu as envie de savoir ce qui se passe. Dès le début, j'étais complètement impliquée dans cette histoire, et c'est très très rare que dès les 3 premières pages, je sois complètement dans un récit, parce qu'en général, il me faut toujours quand même 10 à 15 pages, mais toujours beaucoup de temps en fait avant de rentrer dans les livres. Et là, franchement, j'étais tout de suite dedans, donc c'est déjà gros point positif, la psychologie de ces personnages. Je trouve pas que... je suis hyper chiante, hein, vous le savez. Je trouve pas que forcément toutes les relations étaient aussi bien faites que la relation mère-fils qui était proposée dans le récit. Par exemple, la relation entre, est-ce que c'est Teddy, je sais plus, le frère et notre héroïne, leur relation, j'étais pas toujours accrochée à tout ce qui se passait. Avec le père aussi, j'avais parfois un peu du mal, mais vraiment, mère-fils, c'était vraiment très bien fait. Je trouve vraiment que c'était un bon premier roman. Maintenant, ce sera pas à nouveau un coup de cœur, parce que vous allez dire, mais je suis hyper chiante en fait, vous en pouvez plus, je comprends. Ce que j'ai trouvé dans ce récit, c'est que l'autrice y est allée avec ses gros sabots. Elle a donné des indices, mais énormes. Elle a utilisé évidemment certaines choses qui ont bien sûr déjà été faites, mais c'est pas grave, c'est pas très grave. Mais il y a certaines choses que j'ai déjà vues, et un procédé, je peux pas trop développer non plus, qui a déjà été fait, mais ici ça manquait de subtilité, du coup j'ai tout de suite deviné, et je trouve vraiment que tout ce qui est révélation, etc., c'était vraiment avec des gros sabots, c'était pas assez fin, je trouve. C'est pas le livre le plus révolutionnaire au niveau de son intrigue, au niveau de ses révélations. Il y a des petits trucs un peu dégueulasses qui sont sympathiques, mais c'est pas le plus révolutionnaire. Mais ne fût-ce que pour cette relation entre cette mère et ce fils, ne fût-ce que pour la psychologie de ces personnages, je vous conseille de découvrir La Nuit des Anges de Anatomasie, parce que ça a été une très bonne surprise, et c'est très rare que je me sois sentie aussi impliquée dans une lecture. Je vous parlais dernièrement du manque d'implication, ici j'ai été impliquée. C'est même possible que j'ai pleuré à un moment dans cette lecture, la fille pleure dans un thriller, que lui arrive-t-il? Voilà. Écoutez, je vais vous laisser là pour cette lecture, je vais attendre que les travaux s'achèvent, et puis je vous reviens avec un autre roman noir.
Petit changement de décor pour la fin de cette vidéo, j'ai décidé de vous prendre dans un endroit pas du tout glamour, mais c'est pas grave. Je viens vous parler des dernières lectures ici parce que ça devient invivable, le bruit dans mon salon et mes envies de meurtre deviennent de plus en plus spécifiques. Voilà. Je crois que je cherche de l'inspiration dans mes lectures. Encore faut-il que je m'en souvienne de mes lectures, puisque le dernier thriller dont je dois vous parler aujourd'hui, avant de vous parler d'un truc un peu glauque, c'est le dernier policier dont je dois vous parler. Il s'agit de Nos âmes au diable de Nathalie Hugues et Jérôme Camus. C'est un livre qui a eu son petit succès dernièrement. Je pense qu'il y a pas mal de gens qui l'ont lu. Et moi, je l'ai choisi parce que justement, je voulais être dans quelque chose qui change un petit peu de l'ordinaire. Et j'ai eu beaucoup, mais beaucoup de mal à me rappeler de quoi parlait ce livre, même en relisant en fait sur ma liseuse des extraits du livre. J'ai eu beaucoup de mal à me faire des souvenirs de cette lecture parce que je pense qu'il fait partie de ces livres qui sont des plaisirs fugaces, des plaisirs instantanés. Et tant mieux! Je pense vraiment que j'ai passé un très très bon moment avec cette lecture. Si je re-regarde mon vlog, ce que je ne fais jamais, eh bien je pense que je m'entendrai dire que je passe un moment génial. Mais là, on est après 2 semaines et mes souvenirs s'effacent. Je ne sais plus. Alors que je me rappelle de livres que j'ai lus il y a bien plus longtemps. De quoi on va parler? Je vais essayer de vous présenter quand même quelque chose. Donc dans ce livre, on suit une disparition d'enfant. Notre héroïne, elle travaille dans le milieu, il me semble, de la publicité ou du journalisme. Et un jour, elle reçoit un coup de fil de son mari, Richard, qui lui dit que Sixtine a disparu. Et il va y avoir évidemment les recherches autour de la disparition de Sixtine. C'est donc un récit autour de la disparition d'enfants. C'est un récit que j'avais trouvé très prenant sur le moment. Franchement, c'était un récit très prenant. Et je me souviens, en lisant mes notes aussi, je vous l'avoue, que c'est un récit où je me suis dit, pour lequel je me suis dit, c'est chouette, on a des éléments de la recherche d'un enfant qu'on ne retrouve pas d'habitude dans les romans du style. Donc dans les romans d'enlèvement d'enfants, on a toujours un peu la même narration. Donc on a cette recherche pendant tout le livre, et puis à la fin on a une réponse, positive ou négative, enfin bref, on a peut-être une découverte ou pas. Et ici, le roman se construit de manière un peu différente. On a régulièrement le discours de Sixtine, donc on voit son enlèvement, on voit ce qui se passe, ce qu'elle ressent en tout cas, et on découvre effectivement une étape dans cette recherche d'enfants disparus qu'on ne voit pas souvent dans les livres de ce genre. Et donc c'est vrai que j'avais noté une certaine originalité pour ce côté-là. Voilà, je peux vous dire que cette lecture, c'est une lecture qui m'a complètement happée. Je l'ai lu très vite aussi, peut-être aussi que le temps passé a fait que j'ai moins retenu. Si j'avais lu peut-être sur 5-6 jours, je l'aurais retenu peut-être plus longtemps. Là, je l'ai lu très très vite, je voulais tout le temps savoir la suite. Au niveau de la révélation, il me semble que j'avais regretté que il y avait quelque chose d'un peu irréaliste en fait qui m'avait dérangée, même si il y avait de chouettes idées. Il y avait quelque chose d'assez irréaliste alors qu'il y avait beaucoup de passages très réalistes justement. Voilà, mais écoutez, j'arrive à m'en sortir plus ou moins, vous donner un avis sur ce livre, même si je vous avoue que j'ai complètement zappé cette lecture, c'est dingue. Je pense aussi effectivement que ça dépend aussi du temps passé sur la lecture. Si on passe très peu de temps, probablement qu'on l'oublie aussi plus facilement. Voilà. Écoutez, j'ai tenté, je voulais quand même vous en parler pour vous dire aussi qu'il y a ces livres pour lesquels on passe un très bon moment mais qu'on finit par oublier. Dernier livre dont je dois vous parler, je l'ai mis en dernier lieu parce que c'est un livre dont je vous ai déjà bien parlé dans des book hauls, dans un vlog et même peut-être dans une pile à lire. Mais si vous ne regardez pas ce type de lecture, c'est peut-être l'occasion pour moi de vous présenter cette lecture qui vous plaira si vous aimez bien tout ce qui est gore, tout ce qui est glauque, tout ce qui est dégueulasse. Hein. Je pense que ça vous conviendra. Donc il s'agit ici des chefs-d'œuvre de Junji Ito. Junji Ito, c'est un peu le maître des mangas de l'horreur. Et je pense que
ce qui peut vraiment vous donner envie et vous faire comprendre un petit peu l'univers de Junji Ito avant de le découvrir, c'est de vous lire un extrait de la préface que je trouve vraiment très bien écrite. Je vais vous lire un extrait de cette préface qui vous donnera peut-être plus envie que toutes mes explications qui viendront après. Ce livre que vous tenez entre vos mains pourrait se mettre à saigner. Vos poils pourraient pousser à toute vitesse et chercher à vous étouffer sans crier gare. L'air pourrait se changer soudainement en acide. Avec un peu d'inventivité morbide, vous trouverez aisément le moyen d'ouvrir une dimension horrifique dans tout ce qui porte l'imagination. Des objets aux individus, de la nature elle-même jusqu'aux forces de la physique. En avoir l'idée est une chose, la transformer en récit capable de hanter des millions de lecteurs en est une autre. S'il existe un art secret dans lequel Junji Ito est passé maître, c'est dans cette capacité qu'il a à extraire de chaque chose son essence malsaine, à offrir au lecteur des visions de terreur sans pareil. Les chefs-d'œuvre de Junji Ito, ici, est un tome 1 de 9 à 10 petites histoires que je pourrais un petit peu appeler des nouvelles, hein, des petites histoires d'horreur. Des petites histoires sur des thématiques assez différentes, très variées, très imaginatives, qui vont nous bercer dans l'horreur, qui vont nous amener dans un univers très très horrifique, avec des doses d'horreur très différentes selon la nouvelle. Effectivement, c'est un auteur très imaginatif, on sait jamais ou vers où il va aller, donc ça prend toujours des tournures très particulières auxquelles franchement je ne m'attends pas. À chaque fois je me dis qu'est-ce qu'il va faire et à chaque fois je suis surprise. Maintenant c'est des petites histoires extrêmement courtes, donc il y a le côté très brutal, le choc de la fin de l'histoire qui s'arrête en plein vol et donc forcément on a une petite frustration. Je pense que cette frustration n'est pas plus mal puisqu'elle nous permet d'avoir envie, enfin elle m'a permis en tout cas d'avoir envie de lire des livres un peu plus denses de Junji Ito. J'ai peut-être envie de lire Spiral ou Tommy. Ça touche pas mal de sujets, on a des thématiques qui vont peut-être vous déranger, d'autres un peu moins. C'est pas un livre que je pourrais critiquer pendant longtemps parce que je trouve que ça n'y a pas grand chose à dire, hein. C'est un classique je trouve de l'univers monstrueux, c'est dégueulasse, il y a certaines thématiques qui vont peut-être plus vous déranger que d'autres. C'est vraiment pour les amateurs de glauque et de gore. De glauque et de bizarrerie surtout en fait. Gore, pas tant que ça, mais plus de bizarrerie, de glauque, d'étrange et d'horreur. Voilà, mais je pense pas qu'on peut parler de quelque chose de très sanglant. C'est plus dans la manière dont il tourne ses histoires, c'est assez original. C'est très particulier, j'aime beaucoup. Ce que j'aime bien dans ce récit, c'est que j'ai pas l'impression de lire justement du monstrueux pour du monstrueux. J'ai vraiment l'impression de lire un auteur qui a pris son pied à inventer une histoire grâce à laquelle il nous présente des choses dégueulasses, bien sûr, mais c'est pas du dégueu pour du dégueu, quoi. Voilà. Écoutez, c'est tout pour ce point lecture. Ça aurait été sans doute le point lecture le plus bizarre de ma chaîne YouTube, mais c'est pas grave. Si vous n'entendez plus parler de moi, c'est que j'ai fini en prison parce que j'ai fini par assassiner les ouvriers qui travaillent en bas de chez moi, les pauvres. Et je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo qui sera certainement le vlog de ce jeudi. Si j'ai pas le temps, je le sortirai dimanche prochain. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao !